Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Le Retour à la Parole. C'est la chaîne Réveil TV. Nous émettons depuis Port-Gentil. Donc, le nom de notre Seigneur Elohim soit béni. Donc, ce soir encore, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager la parole pour nous encourager, pour nous édifier. Comme vous le savez, un peu l'actualité marquée par le coronavirus qui frappe, qui décime des nations et des familles. Donc nous voulons avoir une pensée pour les familles endeuillées. Nous voulons ensemble encore ce soir prier et nous laisser conduire par l'Esprit de notre Seigneur. Seigneur Adonai, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes les personnes qui nous regardent actuellement sur Réveil TV. Parle encore à nos cœurs. Encourage-nous encore, fortifie-nous. Une pensée, Seigneur, pour toutes les familles endeuillées dans le monde entier. Apporte la consolation. Apporte la paix, car tu es l'Élohim de paix. Que ton nom soit encore béni. Au nom de Yeshua, Amen. Donc ce soir, par la grâce de notre Seigneur, nous allons encore partager la parole. Donc le thème de ce soir sera simplement la préparation au retour du Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes à la veille de l'événement le plus attendu. Donc nous voulons encore encourager les disciples du Seigneur, encourager les familles, encourager toutes les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Nous voulons vraiment ce soir partager encore la parole du Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Donc le thème de ce soir, c'est la préparation au retour du Seigneur. Et comment le Seigneur, notre Seigneur, c'est Yeshua, c'est Jésus. Donc nous voulons encore ce soir partager la parole. Donc on est dans Luc, chapitre 10. On va lire à partir du verset 38. Donc Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Et s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village, et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui s'étant assise au pied de Yeshua, écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? De lui donc de m'aider. Mais répondant, Yeshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, notre passage de base de cette histoire, l'histoire de Marthe et Marie, de Myriam et Martha, qui peuvent représenter deux ecclésias, deux églises, qui peuvent représenter, cette histoire peut représenter le type de chrétien, cette histoire peut représenter le type de personne. Donc ici, on a d'un côté cette église, ou cette catégorie de chrétiens qui est portée vers le service, qui met de côté ou qui néglige plus ou moins sa communion, sa relation, son intimité avec le Seigneur. Et de l'autre côté, on a cette église ou cette catégorie de chrétiens qui, certes, veut servir le Seigneur, mais réalise que pour mieux le servir, il faut commencer par être à ses pieds dans le secret, dans l'intimité. Donc on va revenir, frère, s'il te plaît, sur le passage. On va le décortiquer ensemble. Donc notre thème, c'est la préparation au retour du Seigneur. Donc cette histoire va beaucoup nous interpeller, nous instruire, nous enseigner. Donc ici, on nous parle de Yeshua qui rentre dans la maison d'une certaine Marthe. Marthe peut représenter nos cœurs, peut représenter nos vies. Et lorsque le Seigneur Yeshua rentre, on va dire l'intention de Martha ou de Marthe n'est pas mauvaise. On dit au verset 39 par exemple qu'elle avait une sœur appelée Myriam, et qui, s'étant assise au pied de Yeshua, écoutait sa parole. On va revenir sur cette fille Myriam tout à l'heure. Donc on va décortiquer à partir du verset 40. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis liés au service. Et mon interpellation ce soir, c'est la distraction que le service peut apporter dans la vie des chrétiens. Donc ici, on se rend compte qu'elle reçoit le Machia dans sa maison, elle reçoit le maître dans sa maison, comme chacun de nous avons reçu Yeshua dans nos cœurs. Et lorsqu'on le reçoit dans nos cœurs, la chose qu'il veut premièrement, avant qu'on se lance dans le service, c'est qu'on soit d'abord à ses pieds.
C'est qu'on soit d'abord dans le secret, dans l'intimité. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est rien qu'en étant à ses pieds, c'est rien qu'en étant dans le secret, c'est rien qu'en étant dans l'intimité qu'on peut recevoir sa nature, qu'on peut recevoir son caractère, qu'on peut recevoir sa pensée. Mais Martha tout de suite, après avoir reçu le Seigneur dans sa maison, après avoir reçu le Seigneur dans son cœur, elle se lance automatiquement dans le service. Oui, frère, oui, sœur, oui, monsieur, madame, oui, papa, maman, vous qui m'écoutez, nous sommes certes appelés à servir le Seigneur, mais est-ce que c'est la chose première qu'il décide, qu'il désire autant pour moi? Non, la chose que le Seigneur désire premièrement, c'est qu'on soit d'abord à ses pieds, c'est qu'on soit d'abord dans le secret. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde agité, nous sommes dans un monde pharaonique, où le travail, les occupations, les activités sont tellement chargées que le but de Satan, n'est-ce pas, c'est d'empêcher aux enfants d'Élohim d'être avec leur Seigneur dans le secret, dans l'intimité. Parce que Satan est conscient que Yeshua revient et que pour mieux préparer son retour, il faut premièrement être à ses pieds dans sa présence. Parce qu'en étant dans sa présence, il nous communique son cœur. En étant dans sa présence, il nous communique son fardeau. En étant dans sa présence, il nous communique sa nature. En étant dans sa présence, il nous communique sa lumière, son éclat. Satan étant conscient de cette réalité, pousse, agite beaucoup les chrétiens de la fin des temps au service. Et beaucoup parmi nous, on devient serviteurs d'Élohim, mais sans Élohim. Donc on sert le Seigneur, mais on n'est pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a fait du service, n'est-ce pas, notre objectif premier. Et on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on est dans les missions, on est dans les programmes, on fait tellement de choses pour le Seigneur, mais on le fait sans le Seigneur. Pourquoi? Vous savez, frère, le secret avec le Seigneur nous apporte de le servir avec précision. Le secret avec le Seigneur nous donne de pouvoir faire des choses avec sa pensée. On a par exemple l'histoire dans les évangiles, de ces deux enfants, n'est-ce pas, qui le mettent à confier une charge, une mission. Le premier arrive, il dit au Seigneur, je ferai. Il dit à son père, je ferai. Et par la suite, il ne fait pas. Et on a le second qui, au début, était plus ou moins réticent, avait refusé, mais qui après, n'est-ce pas, a accompli la tâche que le père, n'est-ce pas, lui avait recommandé de faire. C'est comme les chrétiens aujourd'hui de la fin des temps. On est prompt à vouloir servir le Seigneur. On est prompt à être organisé des programmes, à faire tellement de choses. Mais est-ce que ces programmes, ces actions qu'on pose, on les fait avec le Seigneur? Parce que le plus important n'est pas de servir le Seigneur, mais le plus important c'est de servir avec lui. Et ça fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup ne se préparent plus par rapport au retour du Seigneur, mais sont beaucoup plus portés sur ou vers le service. Oui, on peut servir le Seigneur, mais on va le voir comme Marthe, que le service peut être un objet de distraction. Alors que la charge première qui nous incombe, la mission, le désir premier du Seigneur, fait qu'on prépare son avènement, fait qu'on prépare son retour. Au fil de l'enseignement, on verra que tous les signaux sont au rouge. On verra que, n'est-ce pas, le Seigneur est véritablement à la porte, qu'il est plus que jamais temps que l'Église se prépare véritablement. Donc si on peut repartir sur le passage, frère, s'il te plaît. Donc ici, on a Marthe, qui répond à cette catégorie de chrétiens qui, une fois accepté le Seigneur, se lance dans le service. Donc, mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Et on voit ici, n'est-ce pas, que le service donne des soucis. Pourquoi ici le service donne des soucis à Martha? Est-ce que c'est parce qu'elle servait le Seigneur simplement? Non. C'est parce qu'elle servait le Seigneur sans son fardeau. C'est parce qu'elle servait le Seigneur avec une charge qu'elle s'était donnée elle-même. Et le Seigneur dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire que le fardeau que le Seigneur nous communique dans le secret est un fardeau léger. Ça ne peut pas porter, ça ne peut pas entrer dans nos cœurs une forme de souci. Donc, étant souvenir, dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule, de lui donc de m'aider. Mais si le Seigneur pouvait répondre à Marthe ou à Martha, qui m'est Martha, cette charge que tu as aujourd'hui, c'est pas moi qui te l'ai confiée, comme beaucoup parmi nous. On a tellement de charges, que ce soit en assemblée locale, que ce soit, n'est-ce pas, des projets qu'on a avec le Seigneur, qu'on a pour le Seigneur. Mais posons-nous, frère, la question de savoir, est-ce que ces charges qu'on porte, est-ce que ces charges sont le Seigneur qui nous a confiées? Ou c'est nous-mêmes qui avons pris la charge, n'est-ce pas, de le servir par nos forces, par nos moyens, par notre capacité? Et justement,
lorsque le service devient, n'est-ce pas, notre priorité, ça devient un souci, ça devient un poids. Mais la bonne attitude ici, c'est l'attitude de Marie, l'attitude de Myriam, qui avait compris que pour mieux servir le Seigneur, il faut d'abord être à ses pieds. Pour mieux se préparer au retour du Machia, il fallait être à ses pieds. Donc on revient sur le passage, s'il vous plaît. Donc ici on dit, mais répondant, Yeshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Frères, sœurs, l'agitation aujourd'hui empêche aux chrétiens, n'est-ce pas, de se préparer au retour du Maître. L'agitation, n'est-ce pas, la distraction, sont des éléments qui bouchent nos oreilles spirituelles, qui ferment nos yeux. Et voici pourquoi beaucoup parmi nous, le retour du Seigneur devient comme un jeu, comme une plaisanterie. Beaucoup parmi nous, sur la trompette sonne aujourd'hui, on ne partira pas. Parce qu'on est dans la distraction, dans l'agitation. Oui, ici, frère Jean veut nous amener à comprendre que c'est bien de servir le Seigneur. Mais servir le Seigneur, lorsqu'on le fait sans lui, lorsqu'on le fait, n'est-ce pas, par notre capacité personnelle, cela peut devenir une distraction, cela peut devenir une agitation. Aujourd'hui, on voit un peu, n'est-ce pas, dans les nations, beaucoup de chrétiens n'ont plus d'intimité, n'ont plus de relation personnelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le confinement est une bonne chose. Parce que le confinement nous permet de repartir à la source, de repartir à la base, de repartir au secret, à l'intimité véritable. Oui, frère, c'est bien de servir le Seigneur, mais le service peut être une distraction. Le service peut être, n'est-ce pas, peut nous conduire dans l'agitation. Et frère, si on est dans la distraction, si on est dans l'agitation, si le maître revient, on ne partira pas. L'objectif ici aujourd'hui, n'est-ce pas, est de se préparer à l'avènement, au retour physique de notre maître. L'objectif aujourd'hui, n'est-ce pas, est de se préparer à l'enlèvement de l'Ecclésia, à l'enlèvement de l'Église. Et Marie, Myriam avait choisi la bonne part. On revient sur le passage, s'il vous plaît. Donc le verset 22. Mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Être dans le secret. Être dans l'intimité. Avoir une relation profonde avec le Seigneur ne nous sera pas ôtée. Être à l'écoute du Maître. Demeurer dans l'obéissance. C'est une part qui ne nous sera pas ôtée. Myriam avait compris que pour mieux servir le Seigneur, pour mieux se préparer à son retour, il fallait être dans le secret. Pourquoi? Parce qu'en étant dans le secret, en étant dans l'intimité, n'est-ce pas, elle devait marcher dans l'obéissance. Oui, aujourd'hui, pour marcher dans l'obéissance, on a besoin d'écouter le Seigneur. Comment voulons-nous marcher dans l'obéissance? Comment voulons-nous préparer avec hardiesse au retour du Seigneur si on n'est pas dans le secret, si on n'est pas dans l'intimité? Et Myriam avait compris cela, que pour aller loin, pour être enlevé, il fallait être au pied du Seigneur. On dit que cette part ne lui sera pas ôtée. Ici donc, en d'autres termes, le Seigneur veut nous amener à comprendre que l'attitude de Marthe, de Martha, n'est-ce pas, cette charge qu'elle avait liée au service, les soucis qu'elle tenait à cause du service, l'agitation, la distraction dans laquelle elle était à cause du service, devait lui être ôtée. Oui, chrétien, oui, frère, oui, sœur, l'heure est grave. L'heure est vraiment et véritablement à la préparation au retour du Maître. Et le premier élément, n'est-ce pas, pour se préparer autour du Seigneur, c'est le secret, c'est l'intimité. Oui, on veut prêcher l'Évangile, oui, on veut poser des actions sociales. Mais est-ce que toutes les actions qu'on pose, on les pose avec le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de prêcher l'Évangile parce que Yeshua a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Non, c'est pas cette base uniquement qu'on prêche l'Évangile. On sent le Seigneur aujourd'hui avec la précision qu'il nous donne. Je suis à Port-Gentil, par exemple. Est-ce que le Seigneur veut que je m'agite? Est-ce que le Seigneur veut que je sois sur tous les fronts? J'ai besoin d'être dans le secret, n'est-ce pas, pour savoir ce que le Seigneur attend de moi dans ce temps avec précision. C'est le temps de la préparation. Qui qu'on soit, converti ou inconverti, c'est le temps de se préparer. Tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Yeshua, tous ceux qui n'ont pas encore accepté leur cœur comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de se préparer, c'est le temps de rentrer dans l'arche, parce que la fin de toute chose est proche. En esprit, on peut plus que jamais sentir
que Yeshua revient. Lorsqu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, ce virus, cette pandémie, n'est-ce pas, qui frappe les nations, on réalise que l'homme n'est que poussière. On réalise que tout l'orgueil, que l'orgueil de l'homme n'est rien. Aujourd'hui, tout le monde est confiné chez soi. Plus personne ne va à son lieu de travail, c'est le télétravail. N'est-ce pas, les sportifs, le sport est arrêté. Les acteurs de cinéma, plus de films. On réalise que l'homme n'est que poussière. Et on voit qu'il y a même des personnes qui ont les moyens qui sont contaminées, qui sont affectées. On voit qu'il y a des personnes qui ont des moyens qui décèdent. C'est pour dire que la nature humaine n'est rien. On est poussière et on retournera à la poussière. Le plus important, ce que chaque homme doit faire, chaque couple, chaque famille doit faire actuellement, chaque individu, c'est de se préparer au retour du Mashiach. Parce que la trompette va bientôt sonner. Donc cette histoire de Myriam, n'est-ce pas, de Martha, c'était pour nous amener à comprendre qu'il y a deux types de chrétiens, il y a deux types d'ecclésia. Ce chrétien, n'est-ce pas, qui est conscient de son éternité, qui veut être au pied du Seigneur pour pouvoir mieux préparer son éternité. Et ce chrétien, n'est-ce pas, qui est porté vers le service et qui banalise, n'est-ce pas, et qui méprise l'intimité et qui méprise le secret. Donc pour mieux se préparer, n'est-ce pas, au retour du Seigneur, la première chose à faire, n'est-ce pas, c'est d'être dans le secret, c'est d'être dans l'intimité, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. Ça, c'est l'élément premier dans la préparation de l'épouse, dans la préparation de l'église, dans la préparation, n'est-ce pas, des nations au retour du Seigneur. L'élément premier, c'est l'intimité, c'est le secret. Pourquoi le secret? Pourquoi l'intimité? Le secret, parce que c'est dans le secret que le Seigneur nous révèle l'état de nos cœurs. C'est dans le secret, n'est-ce pas, que le Seigneur change l'état de nos âmes. C'est dans le secret, n'est-ce pas, que le Seigneur nous nettoie, nous purifie. C'est dans le secret, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, révèle tous ceux qui ont fui en nous, qui n'honorent pas son nom. C'est pas dans le service. C'est pas dans la prédication. C'est pas dans les chants. C'est pas dans les missions. C'est pas dans les programmes ici et là. C'est dans le secret que le Seigneur révèle l'état de nos âmes. C'est dans le secret, n'est-ce pas, que le Seigneur révèle l'état de nos cœurs. Les blessures du passé. C'est dans le secret que le Seigneur guérit les blessures de nos cœurs. C'est dans le secret, n'est-ce pas, que le Seigneur fait ressortir tous ceux qui ont fui en nous. L'orgueil, la vaine gloire, les semences d'adultère, d'impudicité, l'orgueil. C'est dans le secret, n'est-ce pas, que le Seigneur fait sortir ces choses. On peut être dans le secret, on peut être autant dans le service et ne plus être conscient que nos cœurs sont malades. Pour mieux se préparer, frère, on doit être aux pieds du Seigneur. Car à ses pieds, il nous révèle qui on est véritablement. Quand on voit aujourd'hui, le monde est décimé par cette pandémie. Mais on voit quand même des pasteurs, des soi-disant serviteurs du Seigneur, qui passent dans des réseaux ici et là, pour quand même vouloir voler le peuple d'Élohim. N'est-ce pas pouvoir prélever les offrandes et la dîme, pour prêcher un évangile qui est complètement biaisé. On se rend compte, n'est-ce pas, que le monde va mal. C'est véritablement le temps de se préparer. Car le jugement du Seigneur va de plus en plus s'abattre dans les nations, sur les nations. La colère du Seigneur va de plus en plus s'abattre sur les nations. Et nous, frères, nous, sœurs, nous, monsieur, madame, papa, maman, vous qui m'écoutez, qui me suivez actuellement, nous avons besoin de revoir nos vies. Des couples qui étaient déchirés. Des familles qui étaient déchirées, des familles qui n'avaient plus de communion, des couples qui n'avaient plus d'intimité, qui n'avaient plus de relation avec le Seigneur, des couples qui ne partageaient plus la parole ensemble. C'est le temps, par ce confinement, de restaurer ces choses. Quand Yeshua revient, et le Seigneur viendra prendre des familles. C'est pourquoi il permet qu'on soit confiné comme ça, n'est-ce pas? Pour qu'on revienne au secret, pour qu'on revienne à l'essentiel. Parce que beaucoup parmi nous sommes sortis de l'essentiel. C'était le désir de s'enrichir. C'était le désir pour les chrétiens, n'est-ce pas, de gagner le monde au profit de leur relation avec le Seigneur. On a beaucoup de chrétiens qui ne prient plus, qui ne méditent plus, qui ne jeûnent plus, qui ne se sanctifient plus, mais qui sont aptes, qui sont promptes à prêcher l'évangile. Quel évangile prêchons-nous dans cet état? Quand ton cœur est malade, quand ton cœur est blessé, quand ton cœur est rempli de convoitise, quel évangile prêches-tu? Quelle préparation fais-tu ainsi? Yeshua revient. C'est le temps de l'examen de soi. C'est le temps, n'est-ce pas, de laver nos robes véritablement. C'est le temps qu'on se purifie. C'est le temps d'examiner, n'est-ce pas, les motivations qui nous animent. Yeshua à la porte, frère. Yeshua à la porte, sœur. L'attitude à avoir dans ces temps de la fin,
C'est l'attitude de Myriam, de Marie, qui a compris que le secret de la marche, le secret pour aller au ciel, le secret pour bien servir le maître, c'est d'abord d'être à ses pieds. Beaucoup parmi nous, c'est l'inverse qu'on fait. On commence par le service, et puis après on veut arriver au pied du maître. Ce n'est pas ce qui doit se faire. Ce qui doit se faire, c'est être dans le secret pour mieux servir. C'est dans le secret pour mieux se préparer au retour du Mashiach. Tous les voyants sont au rouge. Quand le Seigneur permettra, on reviendra sur la notion des trois horloges prophétiques. Et on verra, n'est-ce pas, que toutes les horloges sont quasiment, n'est-ce pas, accomplies. L'horloge de l'Ecclésia, de l'Église, l'horloge des nations, l'horloge d'Israël, tous les voyants sont en rouge. Et si les voyants sont en rouge, si l'horloge prophétique que le maître nous a laissée, si cette horloge est rouge, plus que jamais les chrétiens doivent comprendre qu'ils doivent se préparer, qu'on doit se préparer avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos familles. Donc que le Seigneur soit béni pour ce passage. Donc on va prendre un deuxième passage par la grâce d'Elohim. Donc on est dans Romains, n'est-ce pas, chapitre 13. On est dans Romains, n'est-ce pas, chapitre 13. On va lire à partir du verset 11. Donc on est dans Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Donc le thème du jour, c'est la préparation au retour du Seigneur. Et l'élément qu'on a vu, premièrement, pour mieux se préparer au retour du Seigneur, il faut d'abord être dans le secret. Et même vu le temps, dans Romains chapitre 13 à partir du verset 11, et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Donc on va aller progressivement, frère. Donc le père peut rester sur l'écran, s'il te plaît. Donc ici, il dit, même vu le temps, c'est pas le temps de l'agitation. C'est pas le temps de rechercher qui a plus d'onction, qui fait plus de miracles, qui gagne plus de nations. Il dit, même vu le temps, c'est quel temps? C'est le temps de la préparation au retour du maître. Il dit, même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Nous sommes dans quel temps? Le temps de se réveiller du sommeil. Parce que beaucoup de chrétiens, sinon la quasi-totalité des enfants du Seigneur, sont endormis. Qui t'a dit qu'avoir une relation avec le Seigneur, c'est aller prier et méditer? Tu pries, tu médites, mais tu ne reçois rien du Seigneur. Tu pries, tu médites, mais ton cœur est éloigné. Et dans Matthieu, n'est-ce pas, le Seigneur, Machia, l'a dit clairement, que ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné. C'est la génération que nous sommes. Nous prions, nous méditons de façon religieuse pour remplir des formalités. Oui, nous sommes endormis. On ne reçoit plus rien du Seigneur. Les messages que nous prêchons, c'est des messages qui datent depuis des années. Il n'y a pas de renouvellement dans les messages. Pas de renouvellement de notre intimité. Frère, nous sommes endormis. Prier, méditer n'est pas suffisant. Tu peux prier, méditer, n'est-ce pas, et ne pas être connecté. Parce que la véritable connexion, c'est le dialogue. La véritable connexion, n'est-ce pas, elle est interactive. Tu parles au Seigneur, il te répond. Tu médites, le Seigneur te parle. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui, n'est-ce pas, on médite, mais nos cœurs sont loin du Seigneur. On va juste ouvrir nos Bibles, on va lire, méditer un, deux chapitres. Nous sommes endormis, frère. On va prier, mais nos pensées sont ailleurs. On prie, mais nos cœurs sont véritablement éloignés. Ce n'est pas l'intimité, ce n'est pas le secret. L'intimité va au-delà de la prière, de la méditation. L'intimité met en évidence l'écoute, met en évidence l'obéissance, met en évidence la relation. Depuis que tu pries, qu'est-ce que le Seigneur te dit pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple? Depuis que tu médites, quels sont les éclairages que le Seigneur te donne? Depuis que tu médites, quels sont les messages, les enseignements que le Seigneur te donne? Parce que l'intimité a des conséquences. Il y a même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Et beaucoup de chrétiens sont endormis. À peine 20 minutes de prière, on est fatigué. À peine deux chapitres médités, on est épuisé. Ça, c'est le sommeil spirituel. Et c'est le temps, frère, c'est le temps nation, c'est le temps famille, c'est le temps couple chrétien de sortir du sommeil, de sortir de l'endormissement, parce que Yeshua revient. Il ne dit pas que le temps, c'est le temps de la prédication, c'est le temps mission, c'est le temps de sortir du sommeil. Paul a écrit, n'est-ce pas, cette lettre, on était dans les années 56 de notre ère. Aujourd'hui, en 2020,
Donc il y a plusieurs siècles qui se sont écoulés. Les anciens sont tous les chrétiens dans le sommeil. Imagine nos générations. Il dit tant maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut qui nous parle de Yahweh, qui nous parle de Yeshua, qui nous parle de la délivrance est plus proche de nous. Donc le salut ici nous parle de Yahweh, de Yeshua. Donc Yeshua, son retour, son avènement est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Si tu t'es converti il y a 15 ans, il y a 10 ans, tu t'es converti il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 8 mois, aujourd'hui le retour du maître est plus imminent que lorsque tu t'es converti. La préparation passe par quoi? La préparation passe ici, comme on entend de le voir, par sortir du sommeil, par se réveiller du sommeil. On le voit dans Matthieu 25, n'est-ce pas, les 10 vierges qui sont endormies, qui sont assoupies. L'Église à l'église d'Elohim aujourd'hui est endormie. C'est le souci de la vie, c'est les inquiétudes, c'est la distraction. On passe plus de temps sur le smartphone. On passe plus de temps, n'est-ce pas, sur l'écran, à s'informer. À suivre des films et des séries quand tu es avec le maître à ses pieds dans sa présence. Donc c'est le temps de la préparation. C'est le temps, n'est-ce pas, de réparer nos vies. De laisser le Seigneur guérir nos âmes en profondeur. Le verset 12 dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit fait l'image du péché. La nuit fait l'image des ténèbres. Qui n'est pas conscient aujourd'hui que le monde est enfoui dans les ténèbres? L'homosexualité légalisée, le lesbianisme est normal, la pédophilie est normale. Le mal atteint des proportions énormes. La corruption est normale. Les plus riches ne font que s'enrichir et les plus pauvres continuent de s'appauvrir. Il y a des injustices et des inégalités sans pareil. La nuit, c'est l'image du mal. Et on dit que la nuit est avancée, n'est-ce pas? Et le jour approche. Le jour ici, n'est-ce pas, c'est l'étoile brillante du matin. Le jour, c'est la lumière du monde, Yeshua. On dit que le jour approche, donc Yeshua approche. Il arrive, il revient. Et le temps est à l'examen de soi. Mettons de côté, n'est-ce pas, tout ce qu'on a pu faire avec le Seigneur jusqu'à ce temps. Examinons nos vies. Examinons nos cœurs. Est-ce que sommes-nous encore agréables au Père? Est-ce que sommes-nous encore agréables au Maître? C'est le temps de l'examen de soi. Et le verset 13, il dit, marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans les querelles, la querelle et la jalousie. Oui, chrétiens, sortons de ces choses. Sortons de jalousie, de concurrence, sortons de l'orgueil. Toi, pasteur qui prêche l'évangile, sortons du concubinage, sortons de l'adultère, de l'infidélité, sortons des orgies sexuelles, sortons de la luxure, de l'amour, de l'argent, de l'amour, n'est-ce pas, du péché sexuel. Sortons de ces choses. Satan déjà jugé, déjà condamné. Il veut amener le maximum avec lui. Préparons-nous, préparons nos familles. Ton argent, mon argent, n'est-ce pas, nos biens matériels ne peuvent pas nous sauver. C'est le temps de sortir, n'est-ce pas, de la religion. Sortons de Babylone, sortons des coutumes et des traditions, sortons du péché. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Lavons nos robes, n'est-ce pas, dans la sainteté. Purifions nos cœurs par la parole d'Elohim, car il revient, car son jour est proche. On a pu pour plusieurs années sur la terre. Et à côté du retour du Mashiach, la mort qui est là, qui frappe. La mort frappe à nos portes chaque jour. Personne n'est immortel. Préparons-nous, frères. On n'a pas été créés pour demeurer sur la terre éternellement. On a été créés, n'est-ce pas, préparés, n'est-ce pas, sauvés pour le ciel, pour les noces. Oui, en esprit, on le voit, le sang. Les trompettes sont déjà à la bouche, frère. Le maître est prêt à sonner. La trompette est prête à retentir, à ressurgir, à réjaillir. Et ceux qui sont dans le secret, ceux qui sont dans l'intimité, écoutent le son de la trompette en esprit. Bientôt, nous allons partir. Le retour du maître est proche. C'est le temps de sortir des thèmes spirituels. C'est le temps de sortir, n'est-ce pas, de la paresse. C'est le temps de sortir de la négligence. C'est le temps, n'est-ce pas, de laver nos robes. Car la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Toi qui es encore tenu captif par un péché. Toi qui as chuté, qui es tombé, qui a du mal à se relever. Le Seigneur te tend la main. Toi qui écoutes l'évangile depuis des années. Qui as du mal à accepter le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc comment se prépare au retour du Seigneur? C'est dans l'intimité, premièrement.
Comment se pourpoir autour du Seigneur, enfin, se réveillant, n'est-ce pas, du sommeil, comme on l'a vu dans Romains 13. Comment on se prépare autour du Seigneur, c'est en s'éloignant du péché, en s'éloignant de l'iniquité. Comment se prépare autour du Seigneur, n'est-ce pas, c'est en sortant de la distraction liée au service. Ça, c'est pour les chrétiens. Pour les inconvertis, comment se prépare autour du Seigneur? C'est par la repentance, premièrement. C'est par le fait, n'est-ce pas, de reconnaître ses péchés. Même chez toi, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta cuisine. Tu as écouté l'évangile, tu étais convaincu de péché, de justice, de jugement. Demande pardon à Yeshua. Demande pardon à Jésus de Nazareth. Et invite-le dans ton cœur. Invite-le dans ta vie. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de payer la dîme, de payer les offrandes pour être sauvé. Tu as simplement besoin d'inviter Yeshua dans ton cœur. On va poursuivre sur le passage, frère, s'il vous plaît, de Romains 16. Verset 14. Mais soyez revêtus du Seigneur Yeshua et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Ça, c'est fort. Se préparer au retour du Mashiach consiste à se revêtir du Seigneur. Donc il dit, mais soyez revêtus du Seigneur Yeshua Mashiach. Et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Ici, deux nouveaux éléments rentrent en place. Se préparer au retour du Seigneur consiste à se revêtir de la vie de Yeshua. Sa vie, c'est quoi? C'est la sainteté. Sa vie, c'est quoi? C'est la consécration. C'est l'humilité. Se revêtir de Yeshua, c'est se revêtir de sa nature. Se revêtir de son caractère. Depuis qu'on est converti, on a toujours le même caractère. Toujours colérique, toujours violent, toujours dans les critiques, toujours dans les calomnies, toujours dans la légèreté. Là, frère, on ne se prépare pas. Toujours en train de critiquer les frères et les sœurs, toujours dans la haine, dans la méchanceté. Là, frère, on ne se prépare pas. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Yeshua Mashiach. Se revêtir du Seigneur, c'est se revêtir de sa vie, se revêtir de sa nature, se revêtir de ses entrailles, se revêtir de ses sentiments. Humilité, douceur, simplicité, joie, paix, contrôle de soi. Aujourd'hui, on manque beaucoup de contrôle de soi chrétien. On est prêt à convoiter. On est prêt, n'est-ce pas, à réagir, à nous justifier, à toujours chercher à avoir raison. Se revêtir du Seigneur, se revêtir de sa mentalité. Et la mentalité du Seigneur, c'est la mentalité de la pureté. Quelles sont les pensées qui nous animent au quotidien, frère? La mentalité du Seigneur, c'est la mentalité, n'est-ce pas, du ciel. Quelle est notre mentalité? Quels sont les désirs qui nous animent? On se voit, n'est-ce pas, dans de grands stades, organisant de grandes croisades d'évangélisation, voyant les paralytiques marcher. C'est la pensée du Mashiach. La pensée du Mashiach pour nos vies, frères, c'est qu'on se prépare, c'est qu'on soit prêt lorsqu'il reviendra. Si le Seigneur veut que tu gagnes les âmes, il le fera. Si le Seigneur veut que par toi les nations soient sauvées, il le fera. Mais ce qui nous importe en tant qu'épouse, en tant qu'église, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est de nous préparer. Il de nous revêtir de Yeshua. Il dit, n'est pas soin de la chair, n'est-ce pas, pour ne pas satisfaire ses passions et ses désirs. Sortons des passions de la chair. Orgueil, convoitise des yeux, convoitise de la chair, des yeux de tout vouloir posséder. Comme les disciples, le Mashiach marche avec eux, ils sont derrière, ils veulent savoir qui est le plus grand. Et les cœurs des chrétiens sont remplis d'orgueil. Qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus ancien? Qui est le meilleur prédicateur? Qui est le meilleur pasteur? C'est des désirs de la chair. Et après, la maman, n'est-ce pas, de Jean et de Jacques, les fils de Zébédée viennent demander, est-ce que mes enfants peuvent être assis là, à ta droite, là, à ta gauche? Le positionnement. Les chrétiens, on est dans le positionnement. On veut avoir les meilleures positions. On veut être connu, on veut être vu, on veut être adulé. Est-ce qu'on est des yeux de la chair? Et quand on est dans ces désirs, n'est-ce pas, on peut parler lorsque le Seigneur reviendra. Préparons-nous, ayons des cœurs humbles, des cœurs purs, des cœurs d'enfants. Il va dire dans les évangiles, heureux ceux qui ont le cœur pur, car sont eux qui verront le Seigneur. Se préparer au retour du maître consiste à avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est un cœur, n'est-ce pas, qui sait se repentir lorsqu'il fait des erreurs. Un cœur pur, n'est-ce pas, n'est pas un cœur orgueilleux. Un cœur pur est un cœur humble, un cœur simple. Un cœur pur, n'est-ce pas, est un cœur honnête, droit, correct. Mais nous, nos cœurs sont bourrés d'orgueil, bourrés d'impureté, bourrés de jalousie. Frère, comme ça, on ne peut pas partir. Se préparer autour du Seigneur, n'est-ce pas, cette pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, n'est-ce pas, car le royaume de ceux est à eux. Quand ils verront le Seigneur, seront des pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui réalise qu'il dépend entièrement du Seigneur. Nettoyons nos robes, frères. Purifions nos cœurs. Rejetons, n'est-ce pas, les mauvais désirs.
rejetons l'orgueil, rejetons la colère, rejetons l'amertume, rejetons l'impudicité, rejetons la convoitise, la pornographie, la masturbation, rejetons le péché. Sortons, n'est-ce pas, de parti pris, sortons de sectes, sortons, n'est-ce pas, de jalousie, de concurrence, de compétition, sortons, n'est-ce pas, du servisme charnel. Retournons à la source, retournons à la base. La base, c'est le Seigneur. On se rappelle dans les évangiles, lorsque les disciples étaient heureux, parce qu'ils avaient accompli beaucoup de miracles. Le Seigneur qui leur dit, ne soyez pas heureux du fait que les démons vous soient soumis, mais soyez heureux que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Il dit, en ce jour, beaucoup viendront d'Iran, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des montants, il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui seront levés, sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Faire la volonté du Seigneur consiste d'abord à aimer Yeshua, à craindre son nom, à s'éloigner du péché. Oui, ce n'est pas les grands prédicateurs qui seront sauvés, non. Ce n'est pas les grands chants, n'est-ce pas les hommes les plus connus. C'est les intimes, c'est les amis d'Elohim. Il a dit aux disciples dans Jean 13, que je ne vous appelle plus, n'est-ce pas, je vous appelle maintenant amis. Parce que l'ami, c'est ce que fait son maître. Il veut qu'on soit ses amis. C'est préparer qu'on soit ami d'Elohim. Parce qu'un ami, on ne cache rien. Regardez ce cataclysme mondial. Regardez ce chaos mondial. Où étaient les amis d'Elohim? Que nous sommes censés être. Pourquoi n'avons-nous pas été avertis par le maître? Parce que quelque part, on est parfois dans la distraction. On occupe pas beaucoup de choses. Oui, frère. Ceux qui écoutent au son de la trompette, c'est des amis, c'est des intimes, c'est des plantes qui sont au pied du maître. C'est pas ceux qui sont toujours là, à gauche, à droite, comme Marthe, qui veut démontrer. Faire, on n'a rien à démontrer. Qu'est-ce que nous avons, comme Paul le disait aux chrétiens de Corinthe, qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Et si nous l'avons reçu de la part du Seigneur, pourquoi nous glorifier? Tu pries, les gens sont guéris. Tu prêches, les gens sont convertis. Pourquoi ton orgueil? Pourquoi vas-tu t'enorgueillir? Pourquoi t'enorgueilles-tu, frère? Il n'y a pas d'orgueil à manifester. Revenons à l'humilité. Revenons à la simplicité. Revenons au cœur du Seigneur. Revenons à la crainte d'Elohim. La crainte d'Elohim, selon Proverbe 8:13, consiste à s'éloigner du péché. Laissons l'orgueil d'écouter. Tout ce que nous possédons, c'est le Seigneur qui nous le donne. On va prendre un passage, bientôt on termine. On est dans Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 14. Donc le thème de ce soir, c'est la préparation, n'est-ce pas, au retour du Seigneur. Et on voit depuis, n'est-ce pas, les éléments qui nous amènent à nous préparer. Donc Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 14. C'est pourquoi elle dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et le Mashiach t'éclairera. Donc on va lire verset 15. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, si le passage peut rester encore un petit temps sur le passage, sur l'écran. Et le verset 16 qui nous importe aussi. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Se préparer au retour du Seigneur ici, selon Éphésiens chapitre 5, 14, consiste à se réveiller du sommeil. N'est-ce pas? Consiste à être éclairé par le Seigneur parce qu'il y a beaucoup parmi nous, on est dans les ténèbres. Beaucoup d'enfants sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les cachettes, cacheteries. Parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui font dans le secret, qui font en cachette. Ils se disent que parce que les hommes ne les voient pas, que le Seigneur ne les voit pas. Le Seigneur voit toutes choses. La Bible nous apprend dans, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12, que rien n'est caché devant lui, que toutes les créatures, que tout est à nu à découvert devant le Seigneur. Donc c'est pourquoi il dit ici, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiach t'éclairera. Si la lumière du maître ne nous éclaire pas, on ne peut pas être enlevé. Si on cache des choses, s'il y a des péchés qu'on cache, s'il y a des comportements, n'est-ce pas, que sur lesquels le Seigneur nous interpelle, auquel on ne renonce pas, on est dans les ténèbres. Et on a besoin de la lumière, n'est-ce pas, pour être sauvé, pour être enlevé. Il dit, prenez donc garde, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Se préparer au retour du Seigneur consiste à se comporter dans la sagesse. La sagesse nous parle de l'équilibre. La sagesse, c'est la sobriété. La sagesse, c'est l'équité. La sagesse, n'est-ce pas, c'est la part des choses. Pourquoi une différence, n'est-ce pas, une corrélation mise ici en évidence entre la sagesse et l'insensé, entre le sage et l'insensé? Parce que l'insensé, il est inconscient. L'insensé, n'est-ce pas, il vit dans le désordre. Il vit dans la confusion, il vit dans le mélange, il mène une vie désordonnée.
L'insensé nous parle de la folie. On voit les fous, par exemple, physiques, ils mangent dans les poubelles. Ils marchent dénudés dans les rues. Ils ont perdu le bon sens. Et c'est les chrétiens justement qui ont perdu le bon sens. Ils ne sont plus conscients que Yeshua revient. Mais Paul, il fait nous encourager à nous conduire comme des sages. La sagesse, c'est vaquer à la prière. La sagesse, c'est vaquer à la méditation. La sagesse, c'est examiner sa vie au quotidien. La sagesse, c'est tout faire pour être en paix avec son frère. Il y va faire fève, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Se préparer au retour du Seigneur consiste à racheter le temps. Frère, on a 24 heures. On a 8 heures de sommeil. Le reste du temps, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on est dans la distraction? Est-ce qu'on passe le temps devant nos smartphones, devant les séries, les films, dans la distraction? Est-ce qu'on passe le temps à raconter à gauche ou à droite avec des amis? J'ai le temps de racheter le temps, frère. Racheter le temps consiste à quoi? Racheter le temps consiste à mettre de côté tout ce qui est inutile et à axer nos vies sur les priorités, sur ce qui est essentiel, sur ce qui est salutaire. Oui, je peux suivre la télévision, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Si ça ne m'apporte pas grand-chose, je verrai, n'est-ce pas? Au lieu de suivre 8 heures de temps à la télévision, je suivrai 30 minutes, 1 heure. C'est ça, racheter le temps. Racheter le temps, c'est quoi? Au lieu de dormir, n'est-ce pas, la nuit, je commence à dormir à 21h, je me réveille à 10h, je prends le temps de me réveiller la nuit pour être avec le Seigneur. Racheter le temps, c'est quoi? C'est éviter de se laisser souiller parce qu'on écoute, parce qu'on entend, parce qu'on voit, parce qu'on dit. Verset 17, c'est pourquoi ne devenez pas insensé, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Se préparer autour du Seigneur consiste, n'est-ce pas, à discerner quelle est sa volonté. Comme on l'a dit, on ne peut plus servir le Seigneur comme des personnes qui sont dans la confusion. Pour bien servir le Seigneur, il faut comprendre quelle est sa volonté. On ne se lève pas pour le Seigneur pour se lever. On se lève parce qu'il nous a donné le top. On se lève parce qu'il nous a donné son mandat. On se lève, n'est-ce pas, parce qu'on a discerné la volonté du Seigneur pour ce temps. Ces temps de confinement, par exemple, quelle est la volonté du Seigneur? C'est qu'on soit tous dans le secret, dans l'intimité. C'est clair. C'est que ceux qui avaient perdu le premier amour, qu'ils crient au Seigneur pour retrouver cela. Que ceux qui savent dans leur cœur qu'ils avaient perdu, n'est-ce pas, qu'ils priaient maintenant de façon religieuse, ils ne ressentaient plus la vie de l'homme battre dans leur cœur. Ils doivent redécider cela. C'est ça, n'est-ce pas, discerner la volonté du Seigneur. À chaque temps, n'est-ce pas, il y a une pensée du Seigneur. À chaque temps, il y a une volonté du Seigneur qui est communiquée. Et la volonté du Seigneur pour ce temps de confinement, c'est le secret, c'est l'intimité. C'est éviter tout ce qui peut nous sortir de la présence du Père. Parce qu'après ce temps, ça annonce des temps encore plus difficiles. Après cette crise, cette pandémie, il y a des temps difficiles qui s'annoncent. Et si on n'est pas enraciné dans le Mashiach, on va se laisser corrompre, n'est-ce pas? On va se laisser avoir par tout ce que l'ennemi va nous présenter. L'esprit de l'anti-Mashiach agit déjà. L'esprit de l'antichrist est bien et bien présent. Il travaille dans beaucoup de pasteurs, dans beaucoup de gouvernants, dans beaucoup de chefs d'État, dans beaucoup d'hommes et de femmes. L'esprit de l'anti-Mashiach travaille. Et ça, il est venu physique et en train d'être préparé. Et on le verra quand le Seigneur permettra qu'on parle du trois horloges. Préparons-nous au retour du Maître. Pour terminer, on va prendre un dernier passage. On est dans Thessaloniciens. On va prendre un Thessaloniciens, n'est-ce pas, chapitre 2, autant pour 2, Thessaloniciens chapitre 2. Donc, voyons 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va lire à partir du verset, le premier verset. Donc, on est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du premier verset. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui se lève contre tout ce qu'on nomme,
contre ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Donc ici, on est dans les années 57 de notre ère. Paul parle du retour du Seigneur. Mais en fait, il disait qu'il ne faut pas que les hommes soient troublés comme si le jour du Seigneur était déjà imminent. Mais rappelons-nous qu'il a écrit cette lettre, n'est-ce pas, dans les années 57, à peu près. 57-60. Aujourd'hui, on est en 2020. Du temps où cette lettre a été écrite, à nos jours, plusieurs siècles, plusieurs décennies se sont écoulées. Donc aujourd'hui, on peut dire avec précision, avec exactitude, que le jour du Seigneur est plus que jamais imminent. Parce qu'il va le dire par la suite, on peut prendre le passage, s'il vous plaît, frère. On va revenir sur le passage. Voilà, on va monter un tout petit peu. Verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie. Et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc il dit qu'avant, n'est-ce pas, que le retour du Seigneur soit imminent, se matérialise, il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée et que l'homme impie se manifeste. Ces deux signes sont manifestes. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, on a beaucoup des enfants du Seigneur qui retournent à leur vomi. Donc l'apostasie est là. Et on a, n'est-ce pas, il dit, et avant que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, son esprit est déjà manifeste, l'esprit de l'homme impie. De l'antimachia, son esprit est déjà bien manifeste. Donc on réalise à la lumière de ce pari que le retour du Seigneur est plus que jamais imminent. L'apostasie est là. Beaucoup de chrétiens retournent à leur vomi. Beaucoup de chrétiens sont dans l'apparence de la piété. Beaucoup ne sont plus vrais, ne sont plus sincères avec Elohim. Oui, Yeshua revient. C'est le temps de se préparer. En fuyant le péché, c'est le temps de se préparer. En lavant nos robes, c'est le temps de se préparer, n'est-ce pas, en ayant une communion, une intimité véritable. La fin de toute chose est proche. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce jour par rapport à la préparation au retour du Seigneur. C'est le temps de craindre Elohim. C'est le temps, n'est-ce pas, de s'examiner. Nous ne voulons nullement condamner personne. Nous ne voulons condamner personne. Nous voulons simplement encourager les chrétiens à continuer à se sanctifier. Nous voulons encourager, n'est-ce pas, ceux qui sont tombés à se relever. Nous voulons encourager ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur à faire la paix avec le Seigneur, parce que l'heure est grave. Vous voyez, un simple virus, combien de fois il décime des familles, combien de fois le monde est chaos à cause d'un simple virus. Imaginez-vous, que sera-t-il, quel avenir-t-il après le retour du Seigneur? Le monde sera dans un chaos sans précédent. Oui, frère. Si ce virus terrorise autant les humains, que sera-t-il du lac ardent de feu et de soufre? Parce que le lac ardent, le lac de feu et de soufre, c'est la destination finale de tous les inconvertis, de tous les païens, de tous ceux qui auront refusé d'accepter Yeshua, de tous les faux pasteurs, de tous les faux serviteurs du Seigneur. Ils seront tous dans le lac ardent de feu et de soufre. Il a même dit que c'est un lieu, n'est-ce pas, un feu qui ne s'éteint pas. Nous ne voulons pas aller dans cet endroit. C'est pourquoi nettoyons nos robes, c'est pourquoi revenons au Seigneur. C'est pourquoi craignant Elohim, c'est pourquoi bâtissons nos foyers, bâtissons nos couples sur la base de la parole. C'est pourquoi sortons des jalousies, sortons de l'orgueil, sortons, n'est-ce pas, de la vaine gloire, sortons des concurrences, des compétitions. Craignons le Seigneur, n'est-ce pas, car il revient bientôt. Donc Elohim nous bénisse, que Yeshua nous garde, que Yeshua console toutes les familles endeuillées dans les nations, que le Seigneur guérisse les personnes qui sont hospitalisées, qui souffrent, que le Seigneur se souvienne de pauvres. Nous les portons dans nos cœurs et dans nos prières, que la gloire revienne à Yeshua et que la paix soit répandue dans nos cœurs, dans nos familles. Amen.